Et c'est un Voracius qui fait face à mon Gourpapa. Une main de départ pas idéale, mais correcte. On commencera simplement par piocher. De son côté, un bien meilleur tour, mon adversaire commence plus agressivement en appliquant directement gel sur mon héros. Le sort de pioche aurait été idéal ce tour-là, mais tant pis. Je pose mon sinistre au feu et lance ma première gelure pour passer celle-ci à 3 PA et commence à mettre des PA en réserve. Mais les 36 dégâts du gel font mal. Hein. Je m'approche tranquillement, j'invite le Voracius à approcher. J'énerve quelques jauges et il préfère s'éloigner. Je prends rapidement le centre et profite de sa position pour mettre la pression en plaçant un sinistro à côté de lui avant d'enchaîner avec ma gelure. Après quelques jours supplémentaires, il invoque le baron et profite de sa réserve et de son compagnon pour s'approcher et pouvoir m'atteindre. Je m'y attendais pas, c'est un joli coup. Heureusement, je suis un Gourpapa et j'ai eu le temps de me préparer. Je replace les Niripsa avec le Sinistro R, téléporte mon Sinistro Feu et avec une gelure et un rouage, je supprime rapidement ce premier compagnon adverse. Mon adversaire ne peut pas m'atteindre sans rester au contact d'au moins un Sinistro. Je suis plutôt satisfait de ma position ici. Il se résigne et continue à générer des jauges et se place de manière à subir le moins de sinistro possible. Il a une bonne avance de points de vie, je dois améliorer ma position. Le forcer à perdre son attaque sur mes sinistro ou l'empêcher de tourner autour de mon héros pour s'éloigner de ceci. Avec l'aide d'un nouveau sinistre au feu et du maître égrenaire, je restreins ses déplacements et le positionne entre 3 sinistros. Ça marche bien, il attaque le feu mais choisit de profiter de la zone pour éliminer mon compagnon. Il se replace donc volontairement au milieu de deux sinistros, ça me va. Son compagnon ne m'effraie pas le moins du monde, il sera facile de le maintenir à distance en construisant un mur, il aurait dû invoquer un bump ou une cadence. J'utilise le sinistro R pour retirer le bouclier afin d'affaiblir progressivement le compagnon, au cas où je doive le tuer, même si je pense pouvoir tuer mon adversaire avant son écaflip. Il s'éloigne bien entendu du mur et m'affaiblit bien. Je pense pas survivre un tour de plus à cause du gel. Faut que je trouve comment l'achever ce tour-ci. J'utilise mon sinistro terre sur le R pour en faire un cadran. En effet, en PVP, vous pouvez transformer n'importe quel sinistro. Ainsi, en attaquant, j'inflige 11 dégâts supplémentaires, et je replace le sinistro R pour en infliger 11 de plus. Une gelure le descend à 31 points de vie, Shani me permet de largement achever mon adversaire. Abonnez-vous, et à très bientôt dans le monde des 12.